les filles, salut tout le monde, bienvenue de retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je défrise mes cheveux. J'utilise défrisant, c'est de chez Dark and Lovely. Et c'est le régulier. Voilà. Je vais un peu vous montrer le contenu. Et après on va passer à la protection. Donc on a ce papier d'instruction, elle montre juste comment utiliser le défrisant, comment défriser étape par étape, comment le mélanger et puis comment sectionner les cheveux, après comment faire l'application, comment laver, rincer et tout ça. Et sinon, ici il y a des gants, c'est pour ne pas abîmer nos mains, mais ces gants-ci... elles sont trop légères. Moi j'utilise mes gants ici à la maison, mes gants de nettoyage. C'est mieux parce que celle-là ne sert vraiment à rien. Et ça c'est pour mélanger le produit. Ensuite, nous avons ici la crème Activator. Donc c'est avec ces deux crèmes-là qu'on va mélanger avec le défrisant. Parce que sans ça, en tout cas les filles, vous n'avez rien fait. Sans ça, même si vous appliquez votre défrisant, vos cheveux vont rester toujours crépus. Donc, vous n'avez rien fait. Et ça, c'est le moisturize. Le moisturize, c'est ce qu'on utilise après le shampoing. Donc, défriser, vous lavez la tête. Après, vous mettez le shampoing. Après avoir lavé le shampoing, vous utilisez le moisturize. Moi, je n'utilise pas ce moisturize. Je préfère utiliser mon moisturize de chez Garnier, que je vais vous montrer. Ça, c'est le shampoing qu'on trouve dans le carton. C'est celui-là. Et voilà, ça c'est le défrisant. Je vais ouvrir la boîte. Voilà. Celle-là sent plus sécurisant. Donc, je vais ouvrir comme ceci. On va mettre le carton de côté. Ensuite, je vais prendre les crèmes activateurs que je veux ouvrir à l'aide de mon ciseau. Voilà. Et ensuite, on va mélanger le tout. Mélanger très bien, tout doucement. Et voilà. Le shampoing que j'utilise, c'est ce shampoing-là de chez Garnier. C'est avec de l'huile. Et le moisturage que j'utilise, c'est ce moisturage-là aussi de chez Garnier, le Ultra Doux. Donc je préfère ces deux là parce que ça rend vraiment les cheveux très souples, mieux que celui de chez Dark and Lovely, selon moi personnellement. Mais sinon, à chacun son choix, chacun son goût. Donc, voilà. Les filles, on va commencer avec l'application. Je vais prendre mon peigne pour sectionner mes cheveux. Donc on va sectionner les cheveux en quatre parties.
ressemble à ça. Vraiment, sur les baby hair, on les met juste à la fin avant de commencer de masser. Alors, on va appliquer, là, je vais appliquer le défrisant sur les baby hair et puis je vais commencer le massage. Mais aussi, en tant que je n'ai pas encore fini l'application sur toute ma tête, pas encore, hein. Faites attention, sinon vous allez vous brûler. Maintenant, je vais faire le derrière. C'est la même application comme devant. Voilà les filles, je suis restée avec le fond de teint pendant au moins je crois une heure maintenant. Oui, sinon je vais masser et puis on va laver la tête. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve à la prochaine. Oh, si vraiment ma tête respire là. Bye. Mouah.